pas assez jeune, mais ça a dit Chamon. J'étais avec lui, avec l'IPI, j'ai entré dans le Bergou. Il m'a demandé de venir apporter ce message de soutien, ce message d'encouragement, mais rappeler le message quand on allait à la campagne. On y a cru, on s'est battu, on avait l'esprit de gagner, on y est arrivé. C'est de la même manière qu'on doit aborder cette manche qui est extrêmement importante parce que cette qualification est un enjeu de taille. C'est un enjeu parce que le Sénégal en a besoin. La fédération en a besoin sur le plan financier. Mais notre rang aussi nous pousse à croire que ce n'est pas surmontable. Le résultat auquel on est revenu avec une défaite, mais ce n'est pas un mauvais résultat. Donc il faut que ces jeunes oublient ce match-là, mais qu'ils s'engagent à aller jusqu'au bout, se battre jusqu'à la dernière minute et décrocher cette qualification. C'est ce message-là que j'ai livré aux joueurs au nom du chef de l'État, à l'encadrement, à l'entraîneur et à la fédération. C'est un plus, les conditions sont beaucoup plus favorables pour surmonter cet obstacle égyptien. Je pense que sur le plan individualité, sur le plan purement technique et même sur le plan de l'organisation, il y a possibilité de se qualifier. Le coach l'a bien lu, il a fait une belle analyse parce qu'il a demandé aux jeunes d'être efficaces au niveau du dernier tiers. Je pense que ça, c'est un schéma extrêmement important et c'est cette lecture qu'il fallait faire. C'est pourquoi nous avons renouvelé notre confiance, mais nous avons aussi renouvelé à ces joueurs et à l'utiliser, à tout le monde, ce que le peuple veut aujourd'hui. C'est pourquoi tout le monde voudrait venir apporter son soutien. Mais j'en ai profité aussi pour parler un peu des supporters. Il faut qu'on supporte dans la sportivité. Ce n'est pas parce que les autres ont fait n'importe quoi qu'on le fera. Le Sénégal n'a pas besoin de suspension. Qui veut aider cette équipe, qui veut aider ce pays-là, n'a qu'à venir supporter en tant que supporter, crier, danser, faire ce que... mais pas de violence, pas d'excès. Par rapport au bilan, monsieur le ministre, dès qu'on dit que c'est introuvable, est-ce que la fédération a fait? Mais vous savez, il faut faire la part du feu. Nous avons une fédération qui organise ce match. Ce n'est pas l'État qui organise. La fédération est assez mature pour mettre ses mécanismes. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'équipe nationale aujourd'hui est une valeur qui aujourd'hui intéresse l'ensemble des Sénégalais. Aussi des moments, c'est avant-hier. Quand l'équipe nationale jouait, mais les pieds restaient, on les trouvait partout. Aujourd'hui, tout le monde voudrait les 18 millions de Sénégalais ou 17 millions de Sénégalais. Ce qui n'est pas possible. Forcément, il y en aura qui n'en auront pas. Il peut même y avoir quelques dysfonctionnements, ça arrive. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on dépasse nos clivages, les difficultés, qu'on apporte notre soutien à cette équipe nationale. C'est plus important que tout. Et maintenant, ils vont analyser, parce qu'on va les accompagner à faire une évaluation du système et tout. Parce qu'on n'est pas à Léopold Senghor, on n'est pas à Dembélé, on est au stade Ablaye Wade. Et tout est différent, même vous, vos conditions sont différentes. Donc, il faut qu'il y ait des petites difficultés. Mais soyons solidaires dans l'effort, soyons solidaires autour de cette équipe nationale, et je suis sûr qu'on va y arriver.